Bonjour, c'est Griffox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items. On commence avec l'achat d'un petit lot de pépites. 200 000 pépites à 90 km unités, ce qui fait un total de 18 millions. Alors, pourquoi j'achète ces pépites C'est pour une raison que je vous avais expliqué en vidéo précédemment, suite à l'article de la refonte des alliances sur le site de FUS, où ils avaient expliqué que euh, un nouveau système d'alliance allait apparaître euh, début 2023, donc sur la version 2.67 du jeu. Et qu'au début de la version euh, 2.66, donc la version euh, la mise à jour de décembre, tous les, toutes les alliances, tous les prismes allaient être supprimés. Et donc euh, ce qui était euh, la conséquence de cette annonce, c'est que pendant toute une version du jeu, donc toute la 2.66, on ne pourrait plus générer de pépites, alors que c'est un, une ressource qui est nécessaire pour plein de craft du jeu, et qui est assez centrale dans l'économie. Donc, dès que j'ai vu cet article, euh, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma vidéo d'analyse et de réaction, et ensuite, je me suis précipité sur mon serveur pour euh, faire un énorme stock de pépites. Et euh, voilà, en me disant, bah, en fait, si pendant, euh, pendant 2-3 mois, on peut plus du tout générer de pépites, mais le prix va faire un x 10 x 20, voire plus, quoi. Ça va être une dinguerie. Donc, je me suis dit, je vais m'acheter 3 millions de pépites euh, à 90 km unités. Ce qui me fera donc 270 millions de Kamas investis dans des pépites, et euh, avec une quasi-certitude de faire une énorme plus-value sur la revente. Sauf que, euh, entre temps, bah, euh, Ankama nous a fait savoir qu'il s'était trompé dans l'article et que en fait, euh, la suppression des alliances et des prismes euh, interviendrait juste avant le déploiement de la 2.67. Euh, donc juste avant le nouveau système, et en fait il n'y aura pas de laps de temps pendant lequel on ne pourra plus faire de pépites. Ce sera juste une transition tout en douceur. Du coup, euh, bon, mon plan tombe un peu à l'eau, mais euh, je maintiens que si, euh, si le planning avait été celui euh, annoncé dans cet article de Dofus, euh, eh l'achat en grande quantité de pépites pour de la spéculation aurait été un très bon choix. Malgré tout, il euh, y a quand même des incertitudes, pardon, des incertitudes sur euh, l'évolution du cours de la pépite avec ce nouveau système. Donc je pense que je m'en sortirai pas trop mal et que soit ces pépites me serviront, soit je pourrai les revendre un peu plus cher certainement. Euh, en tout cas, voilà, c'était un petit coup d'émotion autour de cette spéculation qui aura fait beaucoup parler euh, sur, euh, sur le forum, sur Twitter et autres, c'était bien marrant à suivre. Ouais bon, je suis en train de faire le tour des items HD pour vendre mes trucs, là y a une, on, a, on a une Ému en perf HDV 8,66 euh, millions, on va l'acheter et on va la revendre le double, hein, ça va être le projet je pense. Euh, voilà, ça régale, 8,6 millions 6 perf pour un item méta pvp euh, avec 50 sagesse en plus euh, qui est assez de galère à fm en perf. Ça part tous les jours. Ah mais on a des choses bizarres aussi dans les HDV, ça n'a aucun sens. Il y a des trucs HDV, ça ressemble à rien. Genre ça, pourquoi c'est à 5 millions en fait Pourquoi c'est à 5 millions Bon bah achat d'une carte de Junta à 5 millions HDV, je sais pas ce que ça fait à ce prix-là. Euh voilà. Beaucoup, euh, c'est beaucoup pas assez cher. Ça, on va revendre, on va revendre ça le triple, hein voir le quadruple. Ça régale, et on termine avec la vente d'une coiffe de la fou Givre à 6 millions en HDV. Euh, je suis assez content parce que je l'avais mise à 4 millions sur Jolite, Elle était restée un mois sans partir, et là sur Imagiro, suite à la fusion, euh, eh bien en moins d'un jour, elle est partie à 6 millions. Donc ça fait vraiment plaisir. Euh, alors pour ceux qui avaient suivi, euh, je l'avais mise en vente euh, aussi dans le cadre de ma grosse mise en vente d'items PVP où j'avais fait un gros mode marchand à 2 milliards de kamas, hein, J'ai fait une vidéo sur le sujet qui vous a beaucoup intéressé et euh, là ce jet euh, sur cette coiffe Fuji n'était euh, pas assez intéressant pour que je le mette à un gros prix en mode marchand donc il est parti à un prix assez modeste HDV et ça s'est vendu, voilà donc ça fait plaisir, c'était une coiffe que j'avais jouée euh, sur mes premières itérations de mode one shot en Yopter colis euh, en mode très agressif avec des dagues au corps à corps en one shot tour 2 et euh, j'avais joué cette coiffe parce qu'elle faisait notamment de l'initiative en plus des grosses stats offensives euh, force, critique et compagnie. Et euh, ça me permettait de faire jouer le Yop en deuxième, euh, avant les Neripsa, entre le Xalor et, et les Neripsa. Voilà, c'était peu voilà, pour la petite histoire. En tout cas, bah voilà, vente de cet item, 6 millions, ça fait plaisir. La petite vente de Defus Eben en HDV. Et encore un petit ébène à 2 millions de HDV, ça régale. Et encore pas mal de petites ventes. On a ici un Defus Ivoire, un Defus Emeraude. Encore un defusivoire, hein, les fusivoires qui se sont bien vendus assez facilement. Un forge lave, encore un sivoire, et encore un forge lave. Et même une prix iridescente, incroyable. Et pour finir, euh, on regarde ce que donnait l'évolution du prix des pépites. Alors je les avais achetées à 90 kama unités il y a à peu près une semaine. Euh, elles sont montées jusqu'à 140 il y a quelques jours. 140 km unités, là c'est redescendu à 122. J'espère que ça va remonter. Euh, si ça continue à suivre cette tendance, c'est bien possible que je fasse un x2 sur ces 18 millions investis et que les pépites s'approche gentiment des 200 KAM. Si ça continue comme ça, ça va me mettre très très bien. Mais déjà même en l'état, j'aurais pu les revendre à 140 km unités et faire déjà une belle plus-value. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Achat avant d'item. j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.